Hey, Sylvain. Oui, monsieur. Annonce-nous la bonne nouvelle du jour. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pu m'exécuter en piste. J'ai enfin accompli la première mission, c'est de rouler ce fameux Swimliner Sled Snowmobile sur le sel. C'est incroyable, je suis encore sous l'émotion, c'est fou, c'est fou. Hey, le bolide du Québec, il fait fureur, tout le monde capote quand il voit que c'est un entraînement par chenille, qu'on est des crinqués de motoneige. Ça n'a pas été simple, l'essai, parce qu'on était sur toi de surveillance. Je ne sais pas si tu as vu le film de Burt Monroe, que l'arbitre, il suit Burt quand il roule sa première run, voit comment ça se déroule. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Puis si tu avais laissé des traces au sol ou n'importe quoi, ça aurait été la seule run qu'on avait faite, notre expérience au Speedway qui était finie. Parcours arrêté, terminé. Elle était finie. Mais là, il se continue. Qu'est-ce qui est arrivé de particulier dans ta run? Écoute, après plus ou moins un quart de mille, les deux parachutes qui ont ouvert. Donc, c'est sûr, ça m'a breaké, mais j'ai quand même continué à faire 1, 2, 3, la troisième vitesse, sur le gaz à 8-9000 tours pour avoir des datas, parce qu'une run avec la file d'attente, c'est compliqué, c'est long. Donc, on est allé chercher de l'information. Gilles va étudier ça à soir. On a des devoirs à faire, puis on va se préparer pour aller en piste demain. J'ai commencé à étudier ça. Ouais. Ça nous a permis d'essayer le e-boost. Une merci. Chance. Hey, salut nos chums d'RM Stater. Ouais. Une chance, les parachutes ont ouvert. Tu as été obligé de donner du gaz, puis on a commencé à voir monter le boost électrique. Oui, du boost gratos. Hey, suivez-nous, ça continue. Bien sûr, merci.